Pendant ces campagnes, Napoléon couchait indifféremment dans une masure, un château ou sous la tente, une tente que montaient en moins d'une heure les valets de pied de la maison de l'empereur. Les tentes, toujours installées au milieu du carré de la garde impériale. Le mobilier que vous voyez ici ne correspond pas à un mobilier de palais impérial. Napoléon ne se promène pas sur tous les champs de bataille de l'Europe avec des trônes dorés, même s'il est accompagné de bagages très importants et de nombreuses berlines portant de la vaisselle, portant des éléments de mobilier et même des livres, puisqu'il est important aussi de se renseigner et en permanence de mettre à jour ses connaissances sur le pays que l'on traverse, sur les gens que l'on va rencontrer. La configuration des tentes n'évolue pas. En général, la tente de campagne de l'empereur était ce que nous n'avons pas pu faire ici, organisée en deux parties, une partie destinée au travail et une seconde partie derrière un rideau destinée plutôt à son confort personnel et essentiellement au repos. Le mobilier pouvait évoluer, mais la configuration générale des tentes, elle, n'a pas évolué. Pour voyager léger, il a fait appel au service des plus grands ébénistes, des plus grands orfèvres et des plus grands artisans d'une manière générale de la période. Donc Jacob Desmalter, François-Honoré-Georges Jacob Desmalter par exemple pour le mobilier, Martin-Guillaume Biennet pour l'ensemble des pièces d'orfèvrerie et tous ces nécessaires de voyage. Et il se trouve que ces artisans ont réussi à lui créer des pièces qui soient à la fois légères, fonctionnelles avant tout, et élégantes. Vous avez ici une petite bibliothèque de campagne, par exemple, destinée à contenir des ouvrages dans un format inuit, ce qu'aujourd'hui on dirait un genre de format poche, si vous voulez, qui lui permet d'avoir auprès de lui en permanence les ouvrages dont il a le plus besoin. Ici, des tables et chaises pliantes ou petits tabourets pliants qui sont également avec leurs étuis. Les étuis sont conservés également, ce sont des étuis de cuir qui permettent parfois de les porter sur le dos de façon à les transporter et à compacter un maximum le bagage. La pièce maîtresse en fait de ce type de mobilier, c'est le lit qui est dû au serrurier de Zouche. Serrurier qui a produit deux types de lits à destination de l'empereur pour ses campagnes, qui sont des lits pliants, parmi les premiers modèles extrêmement ingénieux de lits pliants, donc des lits du petit modèle et du grand modèle, non pas qu'il y eut un lit plus confortable, genre un lit à deux, mais en fait il y avait un lit qui pliait, était plus important que l'autre. Les lits sont accompagnés de voilages qui permettent de conserver la chaleur, qui permettent également de masquer éventuellement la lumière, ainsi que de coussins et tout un grand nombre d'éléments de garniture qui permettent d'assurer le confort. Napoléon accorde donc une très grande importance à la cartographie et on le voit notamment dans cette tente, à travers la cartographie au renseignement général, à travers la présence ici d'un portefeuille qui permet d'évoquer la question de la transmission des ordres et des informations entre les divers lieux sur lesquels s'étale une armée. Le portefeuille étant l'équivalent en gros d'un parapheur aujourd'hui, c'est exactement le même fonctionnement, donc on y met les papiers importants classés de façon à ce que la personne qui les reçoit n'ait qu'à jeter un coup d'œil pour comprendre précisément ce qui se passe et comment ça s'organise. Vous avez ici une petite lorgnette pliante en ivoire qui vous permet d'évoquer l'importance pour Napoléon de la reconnaissance et pas seulement par son état-major et par les unités de cavalerie légère, mais par lui-même également. Un autre élément très intéressant pour ces campagnes, c'est cette petite pièce de bois que vous voyez ici, qui ne paye pas de mine. Je vous l'accorde, puisqu'il s'agit d'un petit élément, comme sur une table de wargame aujourd'hui, un pion qui permet de représenter l'avance et la disposition des armées ennemies. Cette énorme montre de poche, montre déplaçable, est issue des chefs-d'œuvre d'une horlogerie allemande du XVIIe siècle. Elle se trouvait apparemment dans la berline de Napoléon lorsqu'elle a été saisie à Essling. Les armes qui sont ici sont des pièces absolument extraordinaires, de très grand luxe, qui sont dues à la manufacture Boutet à Versailles et qui fonctionnent par paire, comme c'est très souvent le cas des pistolets de la période. La présentation telle qu'elle est ici, ça n'est vraiment qu'une évocation. Il n'est absolument dit et écrit nulle part que Napoléon avait en permanence des armes sur son bureau. Par contre, on sait qu'il avait dans sa berline en permanence une arme chargée qui pouvait lui permettre de faire face à une attaque surprise, par exemple.
À l'époque, l'une des meilleures cavaleries légères du monde. Éclaireurs de l'armée russe, ils excellent dans la guerre de coups de main, de harcèlement. Montés sur des petits chevaux très résistants, munis de leurs lances, leurs visages sauvages et barbus, les Cosaques du Don effrayèrent de prime abord les Parisiens quand ils s'installèrent sur les Champs-Élysées en 1814. Alors, les Cosaques, au départ, à l'origine, on ne connaît pas trop, c'est assez complexe savoir qui c'était, d'où ils venaient. Ils avaient surtout un statut particulier dans un pays comme la Russie où sévissait le servage. Les Cosaques étaient des hommes libres et pouvaient louer leurs services. En général, ils les louaient au prince de Moscou, puis après, ils ont été au service de l'empereur et des empereurs russes. Les Cosaques étaient appelés dans l'armée russe cavalerie irrégulière, en ce sens que contrairement à toutes les unités classiques, comme il y en avait dans toutes les armées du monde, eux ne servaient qu'un certain nombre d'années dans l'armée, dans les armées cosaques. Par contre, ils pouvaient être mobilisés en cas de nécessité jusqu'à 2-3 générations. Ils ne percevaient pas de soldes comme les troupes régulières. Ils avaient un armement, disons, disparate. Ce n'était pas une priorité pour les gouvernements successifs de les armer. Les Cosaques ont fourni plus de 100 000 hommes pendant les guerres napoléoniennes, surtout pendant la campagne de Russie. Les Cosaques attaquaient essentiellement la cavalerie française et empêchaient les Français de se ravitailler et attaquaient tous les maraudeurs qui se dégageaient, qui s'éloignaient un petit peu de l'ensemble de l'armée. Un point important, c'est que les Cosaques étaient armés de lances, de longues lances. Et Napoléon remarqua déjà en 1807, quand il s'est heurté aux Russes, et un peu avant, en 1805, que l'usage de la lance pouvait être très utile. L'armée française ne possédait pas de lanciers. Vous le savez certainement, il va commencer par des lanciers polonais, puis il va créer des régiments français de lanciers pour s'opposer essentiellement à la cavalerie russe, aux Cosaques russes et également aux lanciers russes. Il n'y avait pas que des Cosaques armés de lances. En 1812, début de l'offensive française, quand les Français ont traversé le Niémen, le régiment des Cosaques de la garde impériale faisait partie de l'armée de Wittgenstein à l'arrière-garde de l'armée russe. Et un soir, il faisait très beau, il voit une partie de l'avant-garde de Napoléon à l'écart. Il décide de les attaquer au crépuscule. Et pour les attaquer, il fallait traverser une rivière. Alors, il ne fallait pas abîmer les beaux uniformes rouges. Ils se sont dévêtus, tout nus, à poil. Avec leurs piques, ils ont traversé la rivière et chargé les Français qui n'ont pas compris d'où venaient ces diables nus, qui ont semé la panique, et l'escadron, une centaine de Cosaques, a rejoint le camp russe sans perdre un seul homme. Cet épisode a été illustré par un tableau et des gravures. La façon de combattre des Cosaques, on appelait ça la lave, était un peu particulière. La cavalerie française chargeait les Cosaques, ils avaient l'impression d'avoir une masse devant eux, et puis cette masse s'ouvrait, il n'y avait plus rien. Et ils étaient attaqués par les flancs et par derrière, alors qu'ils croyaient affronter les Cosaques de front. C'était une façon de combattre très spécifique, et seuls les officiers d'origine cosaque étaient capables de commander cette façon de combattre. Le Cosaque, en plus de ça, se battait pour lui, ne se battait pas contre les autres. Toute cette organisation, cet armement, rendait les Cosaques très autonomes. Les Cosaques, en campagne, ne dépendaient absolument pas de l'intendance russe. Ils n'attendaient ni provisions, ni armement, ni équipement. Ils se servaient essentiellement sur le terrain, sur l'ennemi. Alors effectivement, des fois, ça les amenait à piller les fourgons français ou ennemis au détriment de la discipline. La bataille de Borodino pouvait avoir une issue un petit peu différente. Les Cosaques avaient été envoyés en contournement de l'armée française et devaient attaquer l'armée française par derrière. Manque de chance pour les Russes, grande chance pour Napoléon, les Cosaques sont tombés sur les convois, sur les transports, et au lieu de continuer leur charge, ils ont commencé à piller. C'est là que beaucoup de choses
d'ailleurs, qui avaient déjà été pillés par les Français, ont été repillés par les Cosaques et sont revenus en Russie. Les Cosaques du Don, hommes libres et égaux, obéissent à leur ataman. Les guerres napoléoniennes ont débuté, comme on le sait, il y a eu Austerlitz avec une grande victoire française, les Cosaques y étaient. Et l'ataman Platov a été très vite nommé commandant en chef de toutes les troupes cosaques. C'est un homme brillant, intelligent, ce n'est pas un vulgaire traîneur de sabre. Il a un sens tactique, il sait prendre les bonnes décisions, notamment redisposer ses unités quand il le faut. Au tout début de la campagne, j'évoquais tout à l'heure le désaffrontement entre unités composées. Il va totalement battre à plate couture les Polonais qui se sont un peu trop avancés, donc dans un combat tout à fait classique. Par contre, il sait effectivement utiliser la mobilité de ses cavaliers, leur endurance. Ce sera un excellent stratège et il s'en faudra de peu, comme vous l'avez évoqué, que Napoléon ne soit pris par les Cosaques. Pour lui, c'était une priorité, pas seulement d'amour-propre. Il est certain que si l'empereur Napoléon avait été fait prisonnier, les campagnes napoléoniennes s'arrêtaient en 1812. En Espagne, les Français avaient affaire à une hydre à mille têtes, la guérilla. Les prêtres espagnols appelaient leurs fidèles à la guerre sainte, des paysans illettrés, faciles à manipuler. Pourtant, les Français ne manquaient pas de partisans. On les appelait les affranchisados. Pour beaucoup, ils étaient imprégnés des idées du siècle des Lumières. Ils espéraient que les Français mettent à bas la féodalité et l'absolutisme espagnol. Eux aussi furent victimes de la guérilla. Meurtre, torture, saccage, profanation, l'Espagne était devenue un enfer sur terre. Le 2 mai était un mouvement populaire, spontané et calculé en même temps. Dès l'entrée des troupes françaises en Espagne, il y a eu beaucoup de problèmes avec les villages, avec les paysans. On a réquisitionné des vivres, on a logé les troupes dans les villes. Il y avait des excès de la part des soldats et l'attitude des Français était plutôt arrogante en occupant par exemple la forteresse de Pamplune, qui était l'une des plus importantes de son époque, ou celle de Montjuïc à Barcelone. Il y avait un ressentiment général, il y avait des querelles, des affrontements, avec peu de blessés, un peu de troubles. Mais le 2 mai est très différent. Parce que le 2 mai, c'est le jour où part le dernier enfant de la famille royale, des Bourbons, pour rejoindre Bayonne. La foule qui s'agglutine autour du palais royal sur la place de Oriente se réunit pour défendre le descendant. On assiste à un accrochage qui engendrera par la suite des troubles puis un combat armé. Tout le monde voulait tuer alors les Français. Mais il y avait déjà une conspiration préalable de certains officiels, de certains membres de la garnison de Madrid, qui n'étaient pas d'accord avec cette prise d'otage de la famille royale et le fait d'imposer un nouveau gouvernement sous la tutelle des Français. Et la imposition d'un nouveau gouvernement tutelado par les Français. On n'a toujours pas reçu la nouvelle du traité de Bayonne, ce qui signifie qu'il s'agissait là d'une explosion de colère et de mécontentement bien antérieurs aux événements de Bayonne, qui restent en mémoire. Los acontecimientos de Bayona, que hay que tener muy presente. Se ha llegado incluso a hablar de que hubo una especie de provocación. On a même dit que tout ceci avait été une provocation pour avoir un prétexte pour placer les troupes à Madrid et occuper la ville. Le fait est qu'il y a eu des débordements. Les gens sont sortis dans les rues et on a assisté à une espèce de guérilla dans les rues au cours de laquelle les gens tiraient sur les troupes françaises depuis les terrasses. La gente disparaba a las tropas francesas desde las azoteas, les tiraba piedras, macetas o se enfrentaban a cuerpo desnudo. Il leur jetait tout, des pierres, des machettes, il les affrontait avec de simples couteaux. La répression de Murat était violente et sans aucune pitié. Parce que les troupes françaises étaient des troupes de combat, elles étaient formées pour défaire une manifestation comme on le ferait. Par exemple, aujourd'hui, la police avec ses pistolets en caoutchouc et ses gaz lacrymogènes, c'est un peu la même chose.
Es lo mismo. Entonces fue terrible los acontecimientos en torno a la Puerta del Sol. Donc ça a été terrible ce qui s'est passé autour de la Puerta del Sol et du Castillo del Prado où se sont affrontés ces paysans presque sans armes face à une cavalerie très bien entraînée et avec de l'artillerie qui plus est. Les conséquences ne pouvaient pas être différentes. Las consecuencias no podían ser más claras. Aquello fue una masacre. Ça a été un véritable massacre. Et le pire, c'est que les autorités espagnoles, qui étaient alors alliées aux Français, n'ont pas pu affronter les Français parce qu'elles pensaient qu'ils faisaient leur devoir en éliminant les émeutiers. A los franceses porque pensaban que estaban cumpliendo con su deber eliminando un alboroto público, un motín, porque siempre las autoridades del antiguo régimen tenían miedo. Mais aussi parce que les autorités de l'ancien régime avaient toujours peur des soulèvements populaires. Par conséquent, on voit ici naître une double responsabilité, celle de Murat qui a maté cette répression violemment avec des fusillades jusque tard dans la nuit et qui a inspiré d'ailleurs le tableau de Goya, et celle des autorités civiles et militaires qui ne se sont pas rangées aux côtés du peuple, les guerrilleros. Et ceci a bien sûr engendré une série de conflits, surtout lorsque les émeutiers gagnent la bataille dans un grand nombre de provinces. Elle destitue alors tous les dirigeants militaires et politiques qui avaient soutenu les Français. Apoyado a los franceses como aliados. Estamos ahora en la sala dedicada a... Nous sommes dans la salle consacrée à quelques-uns des guérilleros les plus importants de la guerre d'indépendance, comme Juan Palarea, celui qu'on appelait El Médico, le médecin, ou Francisco Tomás de Longa, ou Juan Martín Díez, El Empecinado, l'obstiné. Ces hommes ont commencé la guerre comme bergers, agriculteurs ou médecins. Ils ont formé un petit groupe de guérilleros. Ils ont petit à petit gagné de petites victoires contre l'envahisseur français. Le nombre de guérilleros a commencé à croître et il est devenu si important que le gouvernement leur a accordé des grades militaires. Et leurs forces se sont organisées comme un régiment de l'armée, formé de bataillons, infanterie, cavalerie et même artillerie. Ils portaient des uniformes et des grades militaires et lorsque la guerre s'est terminée, ils sont devenus généraux espagnols. Ainsi s'est formée la guérilla, très importante pendant toute la guerre d'indépendance, surtout à partir de fin 1809 jusqu'à fin 1811, les deux principales années, les trois principales années de la guerre. C'est au moment où la guérilla a atteint son âge d'or contre l'armée de l'Empire, où elle a obtenu le plus de victoires, et où elle a obligé les Français à se renforcer et où chaque petite colonne ou chaque messager qui devait traverser l'Espagne ou faire un bout de chemin devait être très bien escorté par une unité militaire importante pour éviter les attaques de la guérilla. L'une des caractéristiques particulières de la guerre d'indépendance, qui la distingue de tous les autres conflits de l'époque napoléonienne, c'est la guerre urbaine. Dans la guerre d'indépendance de l'Espagne, au cours de ces six années de guerre, il y eut beaucoup de villes assiégées. Tout d'abord Saragosse, Valence, puis après le siège de Saragosse, celui de Gérone, que nous voyons ici, avec le général Mariano Alvarez de Castro, qui dirigeait la défense de la ville. Également Tortosa, Ciudad Rodrigo, Badajoz. Beaucoup de villes espagnoles ont été assiégées par les Français. Ces sièges ont engendré de grandes dépenses pour l'armée impériale, aussi bien en hommes qu'en équipement. Et tout ceci a également eu pour effet qu'en Espagne, pour la première fois en Europe, on assistait à une guerre totale, une guerre dans laquelle intervenait non seulement l'armée, mais aussi la population civile. Car dans les villes, les défenseurs de l'armée étaient toujours aidés par des femmes, des personnes âgées, des enfants. Tous prenaient part à la guerre. Ça a été également le cas avec la guérilla. La guérilla, c'était des civils très souvent aidés par leurs familles, et cette guérilla et cette guerre urbaine ont provoqué l'élargissement du conflit aux villes, aux villages, aux campagnes, et l'implication de la population tout entière dans cette guerre totale qui a eu lieu pour la première fois ici en Espagne. En esta réplica de un cuadro de Goya,
Sur cette reproduction d'un tableau de Goya, nous voyons la fabrication de la poudre par quelques paysans, peut-être des guerrilleros, qui se trouvent sur les collines. Ils ont fui leur village, ils fabriquent de la poudre de façon artisanale pour la stocker dans des caisses et la transporter aux armées ou à la guérilla. Il s'agit d'un exemple de participation de la population civile contre l'invasion de l'Espagne par Napoléon. Pas seulement dans la guérilla, pas seulement comme volontaire dans l'armée, mais en les aidant aussi dans des tâches logistiques, en fabriquant de la poudre, en aidant les blessés, etc. Je pense que l'empereur Napoléon s'est trompé en envahissant l'Espagne. Il pensait que cette campagne serait une campagne rapide, comme cela avait été le cas dans d'autres pays d'Europe. Mais il s'est trouvé face à une nation qui a résisté 6 ans, une résistance plus longue que celle de n'importe quel pays européen. Il a affronté un peuple en armes, une vision de la vie différente. Le peuple espagnol n'était probablement pas préparé à un changement de régime comme celui que voulait Napoléon. Il n'était pas non plus préparé et n'aurait jamais accepté un roi étranger. Et que tout ce changement politique et social soit imposé par une nation étrangère et par les baïonnettes d'une armée d'occupation. La campagne espagnole est très importante. La guerre d'indépendance espagnole a été très importante pour les Britanniques, car elle a été un moyen de garder une petite force britannique sur le continent, et c'est un moyen de détourner l'attention des Français de leur objectif principal. Le gros de l'armée française avance en Europe et se dirige vers la Russie, la Prusse, mais elle cherche à épuiser les forces françaises pour qu'elles cessent leur progression et qu'elles reviennent en Espagne. Ce n'est pas seulement le cas de l'armée anglaise. L'armée espagnole apporte continuellement des hommes. Ils se battent contre les Français et perdent, mais ils apportent de nouveaux hommes. L'un des éléments les plus réussis des campagnes espagnoles est la guérilla. Des hommes se mettent derrière les lignes françaises, brisent leurs voies de communication, puis attaquent et placent des explosifs. De manière générale, c'est ce que font la plupart des forces terroristes aujourd'hui. Mais cela donne une chance aux Britanniques de conserver une armée en Europe, de conserver un allié européen à portée de vue et apporte un excellent point de chute pour d'autres campagnes contre la France. Finalement, grâce au succès de Wellington et au désastre en Russie, on peut avancer de plus en plus chaque année, car la guerre d'indépendance espagnole durera 7 ans et Wellington se rue en Espagne, remporte quelques campagnes, puis se retire au Portugal et se cache derrière ces lignes renforcées qu'il a mises en place à Torres Vedras. Il peut continuer à aller de plus en plus loin en Espagne, puis finalement être en mesure de passer les Pyrénées et attaquer les Français par le sud. C'est donc une guerre longue qui implique l'armée britannique et pas seulement sa marine. L'armée britannique est une petite armée comparée aux armées de France, d'Espagne ou du Portugal, car c'est une armée professionnelle. Et elle n'a pas beaucoup changé depuis, c'est quasiment la même armée qui a combattu en Amérique dans les années 1750. Elle est composée de 3 corps d'armée, l'infanterie en rouge, l'artillerie en bleu avec les canons, et la cavalerie très rapide. Voilà les 3 corps d'armée. Certaines innovations voient le jour au début des guerres napoléoniennes, comme ce soldat derrière moi, des soldats habillés de vert et non en rouge, car ce sont des carabiniers. On commence à voir une prolifération dans toute l'Europe d'une infanterie légère. Cet homme derrière moi fait partie de cette infanterie légère.
Au lieu que les soldats restent côte à côte avec leurs armes et tirent le plus de balles possible, ces tireurs vont au-devant de l'ennemi et tirent sur des soldats isolés, comme des officiers, des soldats, des musiciens. Vous me direz, pourquoi tuer le pauvre percussionniste? Que peut-il bien faire de mal? Eh bien, en fait, les musiciens transmettent les ordres. Il n'y a pas de radio à l'époque des guerres napoléoniennes. Donc, si je dois prévenir quelqu'un au beau milieu du champ de bataille, j'ai besoin de quelqu'un qui lance un signal, un coup de tambour, une note de fifre ou un coup de trompette pour qu'il bouge. C'est pour cela qu'il constitue une bonne cible pour les tireurs. Bien sûr, si vous tirez sur un officier ou un sous-officier, ça va perturber la chaîne de commandement et l'armée sera moins en mesure de faire son travail. L'armée britannique est très compétente, un trait qu'elle a su développer sur une longue période, et elle a connu de nombreux succès. Encore une fois, c'est une petite armée professionnelle. Pour y entrer, vous devez choisir d'y être, vous portez volontaire. Je veux être un soldat. Pourquoi les gens veulent-ils entrer dans l'armée? C'est dangereux, c'est brutal. Eh bien, vous êtes payé et nourri, ce qui n'est pas le cas de tous les habitants du Royaume-Uni à l'époque. Si vous êtes un paysan, l'hiver ne sera pas de bonne période pour vous. Les soldats s'en sortent bien. S'ils sont blessés ou malades, on s'occupera d'eux. À la fin de votre carrière, si vous êtes paysan, on va vous chasser, mais si vous avez survécu en tant que soldat, vous toucherez une pension. C'est pourquoi il y a de nombreux lieux publics ou pubs qui portent des noms tels que le Lord Wellington. Car bon nombre d'entre eux ont été créés par des soldats qui ont tendance à nommer leur commerce du nom du commandant qu'ils ont servi. L'armée britannique est divisée en régiments et ces régiments sont divisés en bataillons. Chaque régiment a un numéro distinctif. À l'époque des guerres napoléoniennes, un régiment avait son propre nombre. Le 1er régiment, le 2e, le 3e. Le 42e foot est aussi appelé le Black Watch. Et c'est un régiment écossais. Donc il y a un certain nombre de régiments dans l'armée britannique qui font partie de l'establishment écossais. Auparavant, l'Angleterre a fait la guerre contre l'Écosse, et nous avons absorbé le pays dans la Grande-Bretagne. Durant le XVIIIe siècle, l'Angleterre est à nouveau en conflit avec l'Écosse. C'est la même chose, les Anglais se battent contre les Écossais, les Anglais finissent par gagner et diront aux soldats écossais qu'ils ont causé trop de dégâts. Donc, Écossais, vous ne tuerez plus d'Anglais, vous ne pouvez plus porter d'épée. Ils acceptent cela un certain temps, mais après quelques mois, les hostilités reprennent. L'armée britannique commence à faire quelque chose qu'elle fera souvent dans le futur. Si elle trouve un soldat ennemi bon, elle le fera venir dans son armée. Une fois les Écossais battus, les Britanniques admettent que les soldats écossais sont excellents. Ils veulent qu'ils rejoignent leur armée. Leurs soldats se battent en Inde, ce qui est une excellente chose car on a des soldats très compétents en Inde et en plus les Écossais seront loin des Anglais, donc ils ne représenteront pas une menace. La Grande-Bretagne va continuer à faire ça au fil des années et les soldats indiens, plus tard les soldats africains, seront tous absorbés dans l'armée britannique et seront utilisés comme des unités locales. Gordon Highland est le 92e régiment. Il a à peu près la même histoire que le Black Watch. Tous ces régiments écossais, dont le célèbre 92e, donc le Gordon Highland, et le 93e, le High Guard, tous ces régiments sont à l'origine des clans écossais. Ce sont des familles, et parfois cela comporte son lot d'ennuis, car ces clans ne s'entendent pas tous très bien. Et parfois, on doit séparer les unités écossaises et fusionner certains vieux clans. Surtout s'ils sont armés jusqu'aux dents, ça peut créer des problèmes. Nous avons ici Madame Biddy Skiddy, portant son mari gravement blessé lors d'une bataille. Les femmes avaient le droit d'accompagner l'armée britannique quand ils partaient en campagne, et bien sûr, les enfants aussi. Elles n'étaient pas là pour s'amuser, elles devaient travailler aussi. Les femmes faisaient la cuisine, lavaient le linge, elles allaient chercher à manger, elles vendaient de la nourriture et des boissons aux soldats. Mais elles restent tant que leur homme est apte au combat. Si quelque chose arrive au mari,
S'ils meurent, elles doivent se remarier rapidement, car elles ne peuvent pas rester célibataires. Si elles sont célibataires, elles ne sont plus les bienvenues. Mais elles ont beaucoup de choix. Il y a beaucoup de soldats de libre pour se marier. Et il existe une histoire célèbre d'une femme dont le mari est mort. Elle l'enterre et se tient à côté de la tombe. Un sergent arrive près d'elle et dit « Que diriez-vous qu'on se marie et que l'on passe notre vie ensemble ?» Elles font en larmes et le sergent pense qu'il a été trop vite et il s'excuse platement. « Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas vous blesser. » La femme répond « Ce n'est pas cela du tout, je viens d'accepter d'épouser un soldat à la veillée funèbre. Si elle avait attendu, elle aurait pu se marier avec un sergent qui gagnait beaucoup plus d'argent. Ça aurait été bien pour elle, mais elle a raté sa chance et s'est remariée. » Les reproductions que vous voyez ici sont liées au général John Moore, qui était l'un des premiers commandants de la guerre d'indépendance espagnole. Il était très talentueux, et c'est lui qui a initié l'usage de la cavalerie légère dans l'armée britannique. Il est le père des 95e rifles et des régiments d'infanterie légère. Il a remporté une bataille à la Corogne et a dû se retirer ensuite. Il a réussi à tenir les Français loin de sa retraite avant qu'il n'ait atteint les bateaux et remonte son armée à bord des navires. Encore une fois, il a connu des succès, mais cela lui a coûté la vie. Il a reçu un boulet de canon qui a frappé sa poitrine à gauche et cassé ses côtes. L'écharpe que vous voyez derrière est une écharpe que les officiers accrochaient autour de la taille. Et celle-ci a été utilisée pour placer le cercueil du général dans sa tombe. C'est pourquoi elle est tachée de son sang. C'est un soldat très important, mais alors que sa perte fut terrible, elle a permis à un autre officier de prendre le commandement de l'armée. Et celui qui a pris sa place est non moins que Arthur Wellesley, le duc de Wellington. Ce que vous voyez ici est une chose très rare. En effet, car c'est un étendard de l'infanterie. C'est un porte-drapeau que l'infanterie plante et qui sert de point de ralliement pour les soldats sur un champ de bataille. Et si un désastre a lieu, ils peuvent toujours apercevoir l'étendard et s'y retirer et se retrouvent en sécurité. Quand l'infanterie est attaquée par la cavalerie, ils forment un carré autour du drapeau. Donc cet étendard est l'incarnation de l'honneur du régiment et doivent absolument préserver cet honneur jusqu'à la dernière goutte de sang. Donc les soldats qui portent cet étendard doivent être les soldats les plus courageux et les plus compétents. Perdre un étendard est quelque chose de terrible, c'est un déshonneur. Par conséquent, les ennemis essayent de les prendre et de grandes batailles ont lieu pour essayer de capturer cet étendard. Pour l'armée française, l'étendard est l'aigle. L'aigle est l'alter ego de l'étendard anglais. Les soldats français défendront leur étendard jusqu'à la dernière goutte de sang, et pour en capturer un, ceci est un étendard capturé, les soldats britanniques devront se battre comme jamais pour prendre ces étendards. Ces objets sont l'incarnation de l'honneur du régiment. La façon dont on charge les mousquets, contrairement à maintenant avec des munitions que l'on charge dans des magasins, est appelée chargement par la bouche. La façon dont ces armes sont chargées et utilisées est la suivante. Ils se tiennent debout, mettent une cartouche dans le bassinet. Ensuite, ils versent la poudre restante dans le fût et poussent à l'aide d'une baguette. Ensuite, avec la poudre chargée, la crosse de l'arme était alors frappée sur le sol et la balle glissait vers la brèche. La poudre déclenche la charge et la charge porte la balle à l'extérieur. Un tireur d'élite formé pouvait tirer jusqu'à 3 tours par minute. On raconte que certains tiraient 5 ou 6 fois. Mais on doit garder en mémoire que l'on tire aussi vite que l'homme le plus lent de la compagnie, car tous doivent tirer en même temps, et donc à ce rythme-là, on tire 2 à 3 fois par minute. Cela dit, l'infanterie britannique tire plus vite que ses homologues européens. Encore une fois, grâce à leur entraînement qui leur permet de tirer vite.
Les caricatures les plus violentes viennent d'Angleterre. Napoléon en a été la proie toute sa vie. Il est tantôt l'ogre prêt à avaler le monde, tantôt Gulliver au pays des géants, comprenez les Anglais. Napoléon Ier, pour les Français, c'est l'un des premiers hommes politiques à avoir compris qu'est-ce que c'était que la communication et qu'est-ce qu'il pouvait en tirer. Donc, et les Anglais sont aussi sur cette approche-là. Hein, donc l'imprimerie existe depuis très longtemps, mais le processus de diffusion des images est à ce moment-là en train d'éclore et en train de prendre. Il faut bien se rappeler qu'au moment de la Révolution française, en France, dans un pays où la population est grande partie analphabète, l'image raconte l'histoire sans pouvoir la lire avec les lettres, etc., et est énormément diffusée. Hein, de l'imagette. On apprend ce qui se passe en 14 juillet 89 quand on habite au fin fond des provinces françaises, des futurs départements, parce que l'image va être amenée par certains députés, certains délégués des états généraux qui viennent, qui rentrent chez eux sur la place du marché et qui ont ramené dans leur portefeuille des images dont ils ont fait l'acquisition à Paris. Donc à Londres ou à Berlin, on est dans la même société de diffusion de l'image. Hein, et la location, ça permet autour du foyer le soir de, non pas de regarder ce film, hein, mais de diffuser ces images et de raconter des histoires. De raconter des histoires, d'inventer des chansons, hein, de commenter l'actualité. Et petite anecdote, par exemple, dans un film américain avec Russell Crowe qui s'appelle Master and Commander, on est à bord d'un navire de l'armée de la Royal Navy et on entend les officiers de marine qui disent, qui chantent une chanson qu'on chante aux enfants qui ne veulent pas dormir, qui ne veulent pas manger. Et dans cette chanson, on parle de qui ? On parle de l'ogre Napoléon. Donc on a, même négativement, eh bien, le Napoléon français voit son image diffusée par différents supports. Et lui-même d'ailleurs va l'adopter puisqu'il y aura, on ne peut pas parler de merchandising parce que le terme est impropre et complètement anachronique, mais on est dans une société qui, au début du 19e siècle, hein, qui va commencer à diffuser à l'échelle de masse sous différents supports, de la porcelaine, du tissu, naturellement du papier, l'image. C'est pour ça que l'image, d'ailleurs, on pourra en revenir là-dessus, c'est le caractère dictatorial et antidémocratique de Napoléon qui dirige la société française. C'est que ces images-là, elles sont brimées dans la société française, on ne peut pas les diffuser. C'est pour ça que les caricaturistes napoléoniens sont les caricatures anti-napoléoniennes françaises sont des caricatures post-napoléoniennes. Hein, et qu'on va retrouver en Allemagne, on va retrouver en Angleterre, en Allemagne, en Russie, en Espagne, en Hollande, en Belgique, et on va voir une image qui va éclore comme aussi mode de résistance. Hein. Cette image, on ne la voit pas en France, parce qu'elle est interdite et parce que Napoléon, lui, met en place un système de communication avec un journal, de la presse, une diffusion d'images officielles, d'état et des peintures. Les peintres participent d'un mode de communication vantant le Napoléon, homme génial, militaire, voilà, ce qui peut d'ailleurs être considéré à l'époque. Il n'y a pas, par exemple, de diffusion de caricatures de Napoléon en France, ou très peu, ou sous le manteau, sur la période de l'Empire. En revanche, sous l'Ancien Régime, les caricatures du roi et de la reine circulent plus facilement, là encore plus ou moins sous le manteau, mais elles circulent plus facilement que celles de Napoléon. Et elles ne sont pas, c'est des caricatures qui ne sont pas illustrées de la même façon, effectivement, que ce trait assez génial, riche de détails. On a été bercé par cette approche de la légende dorée napoléonienne. Hein, on regarde dans le manuel scolaire, notre environnement, les films. Moi, Pierre Mendy, jouant Napoléon, j'ai souvenir. Après, en étant étudiant, Napoléon Bellegance, on prend plaisir. C'est Guerre et Paix, Sergueï Bondarchouk, on voit ce film. C'est un film russe, mais en même temps, on voit la puissance française. Donc on essaye de réfréner ce sentiment, etc. Mais en même temps, on rigole de voir ce Napoléon croqué par Guilleret, un espèce de personnage excité, écrasé par son grand chapeau, avec une épée trois fois trop grande, qui est en train de conquérir le monde. Donc ça, c'est la réalité historique.
On peut tout dire sur Napoléon, mais on peut pas dire, voilà, il y a quelque part cette réussite qui est complètement fascinante. Parmi les maîtres du genre, Gilray, dont les dessins déchaînent l'enthousiasme à Londres, caricatures et pamphlets que les Anglais distribuent généreusement à travers toute l'Europe. Il y a un regard caustique, méfiant, avec effectivement une certaine peur, en particulier au moment du blocus et au moment où Anglais et Français se font face. Est-ce que de Boulogne aura lieu une opération pour aller jusqu'en Angleterre? Donc là, par exemple, c'est rendu par John Bull qui observe en fait les côtes françaises, voir s'il voit les Français arriver. Alors, de la part des caricaturistes, je dirais que c'est pas une haine, il y a une crainte, vraisemblablement, une méfiance, mais le caricaturiste essaye et d'aviver les esprits et aussi de les faire rire, de les faire réfléchir sur eux-mêmes, ce que sont eux-mêmes les Anglais. Hein. C'est clair que Gilray n'est pas pro-révolutionnaire, pro-révolution française, pro-Napoléon, pro-Jacobin, etc. Ça, c'est clair. Mais pour autant, il reste en méfiance et... mais c'est pas de la haine, enfin, c'est autre chose. Effectivement, alors peut-être, mais une grosse crainte hein, qui commence avec la Révolution française. Alors après, il y a tout le passif, hein, quand même, l'histoire, la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc, il y a la relation... il faut bien reprendre, se remettre en amont et en aval de cette histoire européenne. Hein. La révolution franco-britannique, l'amitié franco-britannique, c'est le début du XXe siècle. Là, on est au début du XIXe siècle, avec derrière la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc. Donc il y a le regard de deux puissances européennes, parce que les deux puissances européennes de l'époque, c'est la monarchie britannique et c'est cette France-là. Cette France qui déclare aux yeux du monde la Déclaration des droits de l'homme, qui fait la révolution... Qui soutient la révolution américaine. Et qui soutient la révolution américaine. Donc il y a une crainte, il y a la crainte. Ce qui rassure les Britanniques, et ce qui les rassurera tout au long de leur histoire, c'est que au moment crucial où ils peuvent perdre, ils remportent la victoire. Donc quand ils vont couler la flotte française qui se retrouve dans la rade en Égypte, c'est, pour l'opinion, une baisse de la crainte. Ce Français-là, hein, on peut le battre. Et puis, l'administration anglaise n'a pas ce défaut-là, elle ne sous-estime pas son adversaire. Elle sait à qui elle a affaire. Et la caricature montre aussi, c'est-à-dire la petitesse du personnage napoléonien, qui est ancré pour Gilray comme le général Bonaparte. C'est pas l'empereur. Il ne sera jamais, pour les Britanniques, c'est pas l'empereur. Il n'est pas reconnu comme étant l'empereur. C'est un général républicain qui les a chassés de Toulon. Hein? La première victoire napoléonienne, elle est à Toulon contre les Anglais. Ça, il ne l'oublie pas. Et donc, même si on montre tout petit, on le montre quand même en train de manger le monde. Donc, il y a à la fois un ridicule pour diminuer la menace, mais la mise en situation montre que la menace est quand même importante, dangereuse, énorme, et ne pas sous-estimer. Tout ça sous le coup du rire. Donc un humoriste, un caricaturiste, mais aussi un fin regard sur l'actualité européenne, sur l'actualité politique. Son appétit d'ogre, pour le coup, c'est ce qui apparaît le plus dans les caricatures, avec cet appétit qui pour autant est contrebalancé par ce physique, puisqu'il est petit, il est surnommé Little Bonnet, ce qui veut dire... osseux, plus ou moins, donc la menace est contrebalancée effectivement par sa petitesse, ce qu'on retrouve dans des caricatures où il est représenté comme Gulliver. Donc son principal défaut est effectivement son désir de conquête, insatiable, et pour le coup l'aspect politique, qui implique en tout cas une politique particulière et révolutionnaire, etc., est passé sous silence. C'est plus vraiment l'aspect grignoter le monde, quoi, et les Anglais effectivement qui sont avec la France les deux puissances économiques et navales qui se font face. L'insularité des Anglais qui, effectivement, leur permet, entre guillemets, d'avoir aussi ce regard un petit peu différent et cette crainte d'être envahi, mais moins facilement qu'une puissance
qu'on peut atteindre grâce à une armée de grognards marchant pendant plusieurs jours. Quand on a fait l'exposition, on a demandé à la décoratrice de nous mettre des sortes, ce qu'on appelle aujourd'hui des logotypes sur les murs. Donc le bicorne, même pour un élève qui ne connaît pas Napoléon, il sait ce que c'est. On sait, un bicorne, il suffit d'en dessiner les débuts pour que tout le monde dise Napoléon. Voilà, c'est comme la croix de Lorraine. Il suffit de commencer la croix de Lorraine, on hésite, puis après, donc on voit le deuxième, on dit De Gaulle. Voilà. Donc il y a ce chapeau qui revient sans arrêt, qui ne le perd jamais. Et après, il y a les ustensiles de la caricature, le sceptre du sacre pour Guilleret devient un hochet d'enfant, et donc il y a toujours le ridicule qui tue. Il a cette épée du conquérant, mais qui est trois fois trop grande, les bottes de sept lieues ou de Guilleret qui sont trop grandes. Donc on a effectivement des objets qui vont revenir assez souvent. Voilà, l'objet qui va perdurer, qui est reconnaissable, dont l'ombre, uniquement l'ombre portée est reconnaissable, c'est le chapeau. Ça, c'est une des plus célèbres caricatures qu'on a montrées dans cette exposition. On l'a dans plusieurs fonds. Elle fait partie des standards. Donc, c'est ce qu'on vous disait auparavant. On a ce Napoléon qui tient dans les mains du roi anglais, George III. Donc, on voit ce petit personnage avec son grand chapeau. Et vous avez remarqué, sur ce chapeau, il a les plumes tricolores, hein, donc du drapeau français, bleu, blanc, rouge, qui date de la Révolution française, la cocarde. C'est encore... Alors, on est en 1803, donc effectivement, alors on pourrait nous dire, ben oui, justement, il n'est pas encore sacré empereur, mais il s'inscrit, comme il le restera après 1804, dans cette idée du général républicain porteur de la Révolution française. Et il est tout petit malgré ses réussites militaires, il est tout petit malgré son appétit, et il est observé par le roi George III avec une longue vue qui donc rappelle à celles et ceux qui découvrent cette image l'histoire de Gulliver, l'histoire des Lilliputiens, etc. Il a un nom imprononçable si on ne le lit pas, hein, c'est le roi de... Brondignagnag ou quelque chose comme ça, Anne Gulliver. Donc c'est le pays. Donc Guilleret, alors ça qui est intéressant, une société monarchiste britannique, mais en même temps il y a des libertés. Et donc on est un humoriste qui se fiche, faut pas l'oublier, lui se fiche de son propre roi et naturellement de sa cible qui est Napoléon Ier. Alors, ce qu'on peut voir, c'est ça qui est très intéressant, et c'est ça qui est le talent de Guilleret, c'est qu'on a un personnage qui occupe la grande partie de la caricature, qui est le roi, hein, l'épaisseur, la grosseur, la taille imposante, et le petit personnage dans sa main, mais le personnage central, sur lequel on va focaliser le regard comme un objectif, ça va être Napoléon. Donc effectivement, ça c'est une caricature célébrissime. La même thématique vue d'un autre côté, puisque pour le coup, la première anglaise est d'autant plus inspirée du roman de Swift, qui avait été un grand succès en 1826. Et l'autre est donc un pendant russe, où c'est Alexandre Ier, le tsar, donc, qui observe Napoléon. Alors, elle est directement, cette caricature est connue dès 1803, mais n'est reprise donc dans cette version allemande que de 1813. Donc là, c'est Alexandre Ier qui observe Napoléon contraint au retour après la défaite de Russie et qui porte là ce titre « Sic transit gloria mundi », à savoir que la gloire en ce monde passe vite. Donc là, on a une autre caricature, celle qui s'appelle « Corsican Spider », qui date de 1803. Elle vient de 1808, pardon. L'auteur, c'est Woodward. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Corsican Spider, c'est donc l'araignée corse. Donc on a le rappel des origines corses de Napoléon. On a toujours la même représentation avec donc le chapeau. Il a beau être transformé en une araignée, on voit bien son chapeau. Il a toujours son plumet, là, certes, qui n'est certes pas bleu, blanc, rouge, mais on aperçoit la cocarde,
bleu, blanc, rouge, qui est vraiment le symbole de la Révolution française. Hein. Donc il y a cette toile d'araignée, et ça, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que si cette caricature date de 1808, on a un humoriste, un caricaturiste, qui reprend une façon d'animaliser le personnage qu'on va voir au moment de la Révolution française et qu'on va retrouver tout au long du XIXe siècle, tout au long du XXe siècle. L'araignée, hein, il y a Guillaume Doisy qui a publié un bouquin sur l'animalisation des hommes politiques. Il montre bien qu'on voit le bestiaire, hein, l'araignée, le rat, le cochon, le loup, le renard, etc. sont des animaux qui vont être maintenus par les caricaturistes, par les humoristes, dans une façon de représenter l'homme politique ou la femme politique qu'on prend pour cible. Hein. Et la toile d'araignée, hein, qu'on voit bien, qui est bien dessinée avec au centre donc, l'empereur, enfin Napoléon, évoque toujours et encore une fois quelque chose d'assez contradictoire, c'est l'appétit insatiable, l'ambition, mais en même temps le piège. C'est-à-dire, vous savez, on connaît l'araignée, la toile, on la voit presque pas, on est presque attiré, et l'insecte s'y prend au piège. La mort y est lente, et plus on bouge, plus on s'en mêle dans cette toile. Donc il y a tout ça qui est évoqué dans ce dessin, qui est, bon, ben là on a encore un talent britannique hors pair, Woodward, et donc là on voit tout autour une série de personnages qui sont eux-mêmes dessinés et croqués en insectes. D'où aussi, là, pour finir, la difficulté aujourd'hui d'avoir une telle image, ça veut dire qu'il y a un vrai travail de décryptage qui a plus nécessité aujourd'hui quand on voit une caricature. Hein, un bon caricaturiste aujourd'hui, un bon humoriste, que ce soit à la télévision ou dans le journal, dans la presse, il faut que son dessin, hop, on le comprenne en quelques secondes. Si on met 4 minutes à comprendre, c'est pas un bon dessin. Là, à l'époque, il faut se placer dans le contexte, pour les gens, tout est clair. Et autant dans les premières caricatures, on le montre ayant un appétit qui fait qu'il veut dévorer le monde, autant dans les caricatures, dans les dernières caricatures, au contraire, on le montre recrachant en fait ce qu'il avait avalé, donc ayant un appétit qu'il n'est pas en mesure de digérer en tant que tel. Donc effectivement, il y a dans les dernières caricatures un Napoléon qui vomit. En fait, les territoires qu'il avait auparavant mangés, dévorés. Donc là, c'est intéressant de voir effectivement comment, puisque les caricatures, on le voit dévorant le monde, sont bien évidemment antérieures à celles où on le voit revomir le monde. Donc il y a ce mouvement qui se fait sur son avancée et sur les prémices de la fin.